Nous cherchons à recruter une équipe d'agents. Sans aucun lien avec le gouvernement. Un ami commun à Lisbonne nous a dit que vous pourriez nous aider. Cet ami commun aurait dû me consulter avant de vous donner mon numéro. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Limiter les dégâts. Quelqu'un a réussi à s'introduire dans l'un de nos centres de recherche. Et la confidentialité d'informations très sensibles est menacée. Je crains que leur divulgation ne donne lieu à certains malentendus. Et vous voulez qu'on les récupère ? Vous avez quelqu'un pour nous aider ? Oui. Je pense que ça peut se faire. Ceci est Hyperion, une base gouvernementale sécurisée située à 5 km sous le désert du Nevada. Il y a 2 heures, elle a cessé d'émettre. Ah, du boulot. Le client a réussi à récupérer plusieurs images filmées par les caméras de surveillance à l'intérieur de l'aile Est. On ne sait pas encore de quoi il s'agit, mais ce qui est sûr, c'est que c'est du sérieux. J'adore, comme si je le savais pas. Un détachement des services secrets est arrivé 27 minutes avant le blackout. Il a été affecté au sénateur William Faber. Le sénateur fait partie du comité des services armés du Sénat, mais il n'est pas prioritaire. Nous devons protéger une technologie de pointe. Personne ne doit connaître son existence. Le centre est verrouillé. Le client peut l'ouvrir ? Attendez, en arrière. Il y a quelque chose. Exécuteur, un robot développé par Raven. Oculus, on annule tout. Moi, j'ai jamais signé pour me retrouver enfermé avec ce robot de mes deux. D'après le manifeste de cargaison, il a été amené ici pour subir des tests. Eh bien, visiblement, ça a complètement dégénéré. L'hélico est à terre et on a perdu Donil. On continue la mission. Aller dans l'aile de recherche et développement. Pourquoi est-ce qu'un groupe paramilitaire privé comme Raven déploierait un robot ? Brooks, t'as bossé pour eux ? Ça me dépasse. C'est ma faute. J'ai résilié mon abonnement chez eux. Il y a une porte là-bas. Peut-être qu'on peut la forcer. Qu'est-ce que c'est ? Huh?
Ok. Il va falloir la jouer fine. L'exécuteur doit encore être dans les parages. Baissez-vous et restez à couvert. Des tourelles automatiques. Plutôt efficaces. On ne pourra pas passer. Pas tant qu'elles resteront actives. D'accord. Parle-moi. Bon travail. Allez, on continue. On dirait une sorte de salle de décontamination. Recherche de particules lancées. Recherche terminée. Aucune particule de fuse détectée. Des particules de fuse ? Hey, ça va ? Hey ! Ça va péter, tout le monde à terre ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oculus, qu'est-ce qu'il fabrique ici ? D'après le client, il développe une nouvelle forme d'énergie. C'est ça, dans un bunker militaire. Du mercure. Quel genre de mercure peut bien faire ça ? Ici le docteur Sam Reed, le 9 juillet 1962. Et d'après les dernières données, le fuse est parfaitement renouvelable sous sa forme brute. Il ne commence à se décomposer que lorsqu'il est mélangé à une autre substance. Les docteurs Cahill et Ramirez pensent avoir trouvé un moyen de le stabiliser. Mais nous sommes loin encore de pouvoir l'utiliser. Moi, je pense qu'il aurait dû laisser la source à Groom Lake. Easy, on y va. Il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer.
Attention, recherche de fuse en cours. Paris, ça doit être un générateur de boucliers. Je commence à le sentir vraiment très mal, cet endroit. Ça risque d'être intéressant. Bouclier magnétique en charge. La vache. Oculus, c'est pas des ampoules qu'ils fabriquent ici. Ils développent des armes. C'est bien ce que je pensais. Trouvez les chambres fortes et prenez les armes. C'est de la mélanite. L'exécuteur se balade dans le complexe et tire sur tout ce qui bouge. Mais je ne vois pas pourquoi le client s'inquiète. La porte blindée était fermée quand on est arrivé. Attention, le fuse a été déstabilisé. Veuillez procéder à l'évacuation. Ils font des expériences avec l'antimatière. C'est quoi ? Je sais pas ce que c'est, mais on te l'a renvoyé à la case départ. Un coup de main ? C'est parti ! On dirait un labo de prototype. Arme Xenotech déverrouillée.
Des armes xénothèques, design customisé, alliage de titane de qualité aérospatiale. Je n'ai jamais vu d'armes de ce genre. Et j'en ai vu un paquet. À ton avis, c'est bidule carburant ce truc, le fuse ? Y a qu'un moyen de le savoir. Il suffit de les essayer sur ce champ de tir. On se remet au boulot. Faites attention à l'exécuteur. Vous avez assez de munitions ?
Laissez-moi respirer. Ça fait 82 jours que je suis enfermé ici. Je crois. C'est difficile à dire lorsqu'on est coupé de tout. Ils m'ont fait essayer ce qu'ils appelaient un fusil à distorsion. J'ai été fusilier marin pendant 8 ans. Et j'ai jamais vu ça. Le docteur Heller m'a proposé de m'enregistrer pour tuer le temps. Et je crois surtout qu'elle veut savoir si je perds la boule. Pour tout vous dire, je pense qu'elle fomente quelque chose. Mais d'où est-ce qu'ils sortent? L'exécuteur a dû les déployer en premier. Ces trucs sont petits, mais question puissance de feu, ça dépote. T'aurais dû voir ce qu'on en a fait à Bali. On les a lâchés au beau milieu d'un banquet super mondain et... Enfin bon, c'est le genre d'humour qui doit échapper, ça. Tu viens, Dalton ? Attention, on a des tourelles, on dirait. Elles visent le terminal, il faut qu'on trouve un moyen de les neutraliser. On ferait mieux de pirater le terminal avant qu'elle se réactive. Ça va tout le monde? Aucun trou en ce qui me concerne. Naya? Izzy? Ça va, ça va. Continuons. L'exécuteur lui a pas laissé la moindre chance. Oh, mon Dieu. Je suis là, vous me voyez? Qui êtes-vous, des Marines? C'est le sénateur.
ordinateur. Cette opération est illégale, mentez-lui. Capitaine Spencer, escouade écho des forces spéciales. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Je ne sais pas, j'allais sortir avec mes gardes du corps quand le bâtiment a été verrouillé. Quoi, tu veux reculer, t'es sûr ? J'ai entendu les tirs et je me suis caché sous le bureau. On va vous aider, mais d'abord on va s'assurer que la voie en bas est libre. C'est cette console qui ouvre la porte blindée ? Mon code d'accès devrait ouvrir toutes les portes du bâtiment. Enfin, si ça fonctionne, attendez. Bougez pas et restez cachés. On revient. Identité acceptée. Feeble, William. Capitaine Spencer ? Non, c'est le nom de mon berger allemand. Système de sécurité désactivé. Ouverture des portes principales. Il y a du mouvement. Je vois plusieurs signatures infrarouges qui s'approchent de votre position. Dites au client de refermer ces putains de portes ! Il n'a plus accès au système. Quelqu'un est en train de l'ouvrir de l'intérieur. On bouge. J'ai l'impression que c'est pas une visite de courtoisie. Vous avez assez de munitions ? On y va. Assaillis. Raven attaque le centre. Envoyez des renforts aériens. Négatif. Pas de support aérien disponible pour l'instant. Vous allez devoir vous débrouiller tout seul. Vous vous foutez de moi ? Ils sont plus d'une centaine ici. Raven ne doit pas repartir d'ici avec des armes expérimentales. En position. Thank you.
ouverte, à gauche. Ça, c'est officiel. C'est mon nouveau joujou préféré. T'es au courant qu'il faudra bien qu'on rende ça un de ces jours? Ouais, et ben mon pote ici n'est pas trop d'accord avec ça. Trêve de parlotte et place à l'action. Quoi? On te flingue ta concentration? Non, c'est mes oreilles que vous flinguez. Ennemi à terre! Dernier chargeur. Thank you.
faucon rouge abattu. Intrus détecté dans la chambre Xenotech 3. 4. 7. 12. Il essaie de détruire les transformateurs qui contrôlent les principales chambres fortes. S'il arrive à couper le courant, Raven aura accès à toutes les chambres fortes. Vite. Ces chambres fortes abritent sûrement le reste de l'arsenal à Fuse. Faut qu'on trouve un ascenseur. On le coupera à la première occasion. Qu'est-ce que Raven foutrait d'une cage d'armes expérimentale? Ce qui leur chante. Les ventes, les échanges, ils font leur beurre, quoi. C'est limite un monopole. Du terrorisme à l'autre. Ça y est. C'est fermé. Il va falloir traverser le mur. On dirait un ancien terminal de sécurité. Servez-vous. Wow, ils ont tout un arsenal ici. Des aubes funestes, des massacreurs. Ils les ont sûrement expédiés au placard après la création de Xenotech. Classique, le neuf dégage l'ancien. Izzy, ça va? Je recharge, je vais les occuper.
Mettez-vous à l'abri, j'arrive. Tout va bien. Ça va aller. Ça, c'est du travail de pro. C'est une vraie boucherie. Ça y est. Tous en position. Ils ont tout effacé. Les disques durs, les dossiers. Il reste que dalle. C'est comme s'ils savaient précisément où aller. Vous pensez qu'il y a une taupe ? Il y a toujours une taupe.
L'ascenseur vers les chambres fortes. On se bouge. Merde, c'est de vraies fournaises. Dis-toi que ça pourrait être pire. Au moins, il n'y a pas de chat. C'est vraiment pas marrant. Tu sais que je déteste les chats. Ça y est. Sniper sur les passerelles. Oui, je les vois. Thank you.
nous envoie un cracheur de feu. Comment on le tue? Il est blindé. Visez le réservoir. A l'air en état de marche. Il est KO. On l'a eu. Restons ensemble. Personne ne reste derrière. Oculus, Burgess, ce sera bientôt l'enfer ici. Envoyez-moi un hélico que je puisse évacuer mon équipe. Il a raison, chef. Sans support tactique, c'est du pur suicide. Je vais discuter de la suite des événements avec le client. En attendant, votre priorité est de prendre le plus d'armes possible. J'hallucine. J'ai l'impression qu'on vient de m'ordonner de marcher sur Fort Lamour. On a un problème. L'exécuteur a détruit des transformateurs.
Il faut les remettre en état de marche. Il devrait y avoir des batteries dans le coin. Branchez-les sur les transformateurs et le système devrait redémarrer. J'ai la cellule de fuse. Cellule de fuse extraite. Qu'est-ce que c'est ? On devrait pouvoir utiliser nos tyroliennes pour passer. Par ici. Juste devant. Yeah.
Vous croyez qu'on les a tous eus ? J'ai un truc entre les dents. Ok. Merde, il y a vraiment beaucoup de monde. On va éviter le raffut autant que possible. Dispersez-vous et éliminez-les discrètement. Thank you.
Faites gaffe. Il y en a peut-être d'autres. Izzy, chope la cellule de Fuse. Je te couvre. Ça pourrait être utile. Neutralisé. Thank you.
réceptacle. Ouais, mais la cellule de Fuse, où est-ce qu'elle est? Il y a une autre cellule de Fuse là-dedans. J'ai besoin d'aide. Est-ce que tu vas bien? On va l'oublier.
bien se passer. Utile.
9. Réinitialisation des gorges magnétiques. Oculus, le courant est rétabli. On a verrouillé les autres chambres, mais on ne sait pas ce que Raven a eu le temps de prendre. Ça, on n'y peut rien. Vous avez fait du bon boulot. Maintenant, écoutez. Le client veut qu'on se concentre sur le contenu d'une chambre forte, la 829A, également appelée le noyau. Chef, je vois pas comment on pourrait protéger quoi que ce soit, là. Qui vous parle de le protéger? Vous devez le détruire. Les instructions sont claires. Activez l'incinérateur sans regarder à l'intérieur. C'est bien compris? Bien sûr. Il reste plus qu'à trouver ce noyau. On devrait pouvoir jeter un œil à l'intérieur, pas vrai? C'est même pas la peine d'y penser. Quoi? Moi, ce que j'en dis, ça vaut peut-être le coup. Un truc genre... précieux. On n'est pas en train de voler. On a volé ses armes. Ça n'a rien à voir. Ok. Cible en vue. Ok, on va faire bouger ce truc. Easy, vérifie ce terminal. Attention, c'est une embuscade. On a des snipers à gauche.
envoyer toute l'armée ou quoi? Visez ces sphères de fuse! Bouge pas, Izzy, j'arrive! Bloquez-vous, j'arrive! Et maintenant? T'es pas un petit vieux, à ce que je sache. Allez! Juste une fois, j'adorerais un job où j'aurais pas à faire de la grimpette pour changer. T'aurais moins de mal à grimper si t'insistais pas sur le fait de porter un demi-quintal d'armure haute densité à chaque mission. Si j'ai appris une chose ces dernières années, c'est qu'on n'a jamais trop de blindage sur soi. Wow! Cet ascenseur. Je suis la seule à me demander comment Raven a eu connaissance de cet endroit. Il développe des outils, un peu comme une agence de renseignement. En tout cas, c'était le cas quand je travaillais pour eux. Ils n'ont pas remis les pieds sur le sol américain depuis qu'ils ont fait sécession. Le noyau doit les intéresser au plus haut point. Eh bien, ils vont être déçus. Allez, on détruit ce qu'il y a dedans et on débarrasse le plancher. On dirait qu'ils ont tout pris. Une société militaire privée dotée d'armes de... pointe. Ça craint. Ils sont juste devant. Les chambres sortes sont vides. Plus que quelques-unes. Quand on aura le noyau, on pourra évacuer. Bien sûr. Prenez tout ce que vous pouvez et envoyez vos hommes au niveau supérieur. Ah.
Oculus, vous m'entendez? La voie est bloquée. Vous allez devoir traverser les labos. En route. C'est moi ou bien un chat dans le coin ? Sérieux, t'as vraiment peur des chats ? C'est pas que j'ai peur d'eux. Je leur fais pas confiance, c'est tout. On y va. D'après les archives, le système de propulsion fonctionne au fuse. On l'emmène. Transférez la base de données sur le serveur de Raven. Les plans vont nous servir à perfectionner le Maelstrom. J'ai trouvé un truc.